Yo les gars, Skyrock, c'est j'espère que vous ça super, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V, découverte d'un nouvel easter egg donc, que j'ai découvert sur YouTube vraiment récemment, qui a été découvert par un américain. Donc voilà, comme vous l'avez vu au titre à la miniature, c'est pour déclencher une bombe par téléphone, donc en mode histoire. Donc je ne sais pas si ça marche sur Algen, moi en tout cas je suis sur NextGen, mais bon je pense que ça marche sur Algen. Donc il faut appeler un numéro donc dans son téléphone, donc qui s'affiche en bas de votre écran, donc ça sera le 1-999. 367. Donc voilà, je vais l'appeler et vous montrer ce que ça fait. Donc 37 et 67. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'appeler. Et donc, on va appeler portable noir. Et comme vous avez vu, ça a fait une explosion au-dessus de notre tête. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais aller sur un autre personnage. Et on va voir si ça fait exactement pareil. Donc voilà. Prenez le temps de me dire en commentaire si vous pensez à quoi ça sert. Donc moi je pense que ça pourrait peut-être servir pour avancer dans le secret de GTA 5 Online. Donc, par exemple pour exploser un bâtiment ou une porte ou un objet précis. Donc ça me fait penser un peu à quand on appelle dans le mode histoire pour déclencher la bombe dans le coffre. Ça me fait vraiment penser à ça je trouve. Donc voilà. Alors je vais appeler le numéro. Donc il faut juste que... Voilà. Donc j'ai dans contact. Et donc... voilà. Donc... c'est ça, donc comme vous l'avez en bas de votre écran, donc c'est ce numéro là et ça déclenche une bombe, donc comme vous venez de le voir, hop, on l'appelle portable noir et c'est bizarre car ça l'a pas fait, donc on va rappeler 1-999-367-37-67 et là normalement. Ah si je l'ai mal composé, excusez-moi. Donc 1, voilà. Donc comme ça, ça vous permet de le retenir mieux. 367, 37, 67. Voilà, là ça fait portable noir. Et là ça fait cette explosion que vous venez de voir. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires à quoi vous pensez que cela pourrait servir. Moi je pense que ça peut, comme je vous l'ai dit, servir à exploser un objet ou un bâtiment. Donc peut-être. Donc après j'ai pas spécialement d'idée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire que même si on est à 100% dans le jeu, il y aurait peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait, donc je sais pas. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à lâcher un like si elle vous a plu. Commentez, donnez-moi votre avis, donc voilà, moi je pense, enfin je vous ai fait part de mes avis, voilà. Bref, pensez à partager cette vidéo à vos amis. Moi je vais dire ciao, bye bye les gens, c'était Skyrock, c'est peace tout le monde.